Monsieur Diallo Cravate, bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous allez bien? Nous allons voir en Belgique. Oh, monsieur Diallo Cravate, vous êtes joli hein, aujourd'hui encore. Ah ouais, belle aussi, car. Oui, vous êtes très belle. Regarde. C'est belle ou c'est joli? Ou vous êtes c'est beau? Belle. Vous êtes beau. Et belle aussi. Aujourd'hui, les questions. Je vais vous poser quelques questions concernant votre pays ou bien votre ancien pays, comme vous l'avez dit. Vous avez dit que vous êtes américain maintenant. Oui. Concernant les actualités de votre pays, vous en pensez quoi? Pour l'instant, je vois bien Guinée quoi. Puisque la Guinée comme ça, là, ça commence, la Guinée comme ça que je vois, la Guinée comme ça, là, ça va aller, ça part bien quoi. Comment ça va aller? Voilà, puisque quand c'est le d'aller, Alpha Condé reste à la pouvoir, ça va aller quoi. Mais Alpha Condé refuse de partir. Non, c'est celui d'Alain qui refuse de partir. Mais il faut que celui d'Alain parte, qu'il ne peut pas avoir la troisième mandat. C'est celui d'Alain qui doit partir ou bien c'est Alpha Condé? C'est celui d'Alain qui ne doit pas avoir la troisième mandat. Oui, ça, on le sait. Voilà, maintenant c'est Alpha Condé qui doit prendre la pouvoir. Alpha Condé? Oui. Nous, on a assez d'Alpha Condé. Lui là, quand c'est lui qui doit partir, c'est pas celui qui doit partir. Parce que celui oui. n'a pas encore pris le pouvoir. Vas-y, monsieur Diallo Cravate. Oui. Nous continuons sur le sujet de l'actualité qui se passe en ce moment en Guinée. Et la maladie qui se passe en Chine aussi. Vous en dites? Concernant la Guinée d'abord, on va prendre la Guinée. Ok, on vient. Vous pensez quoi le sujet du troisième mandat d'Alpha Condé là? Parce que tout le monde dit que Alpha voulait profiter pour avoir le troisième mandat. C'est pour ça qu'il veut changer la constitution. Non, le troisième mandat là, c'est interdit. Mais la cinquième mandat, c'est possible. Quoi? Cinquième mandat? Cinquième mandat, c'est bon, mais troisième. Nous ne voulons même pas troisième mandat. Non. Vous me dites cinquième mandat? Non, troisième mandat là, Moulafé, mais cinquième mandat. Cinquième mandat là, Amouna Konaki. Yo. Ah. Extraordinaire. Je n'avais jamais entendu ça. Mais si Alpha Condé refuse de partir, on va le mettre sous le dos à la maillot. Qu'est-ce que ça veut dire maillot en français? Maillot, c'est mar. La mer. Ouais, la mer. Ok. Si Alpha refuse de partir, on va le mettre sous la mer. Comment vous avez fait ça? Vous pouvez faire ça? Voilà, je vais le faire sortir là-bas. Bon, mais vous êtes landé. Vous devez le faire depuis longtemps? Il y a jamais là. Oui. C'est moi qui l'ai levé là-bas. Moi, j'avais entendu que c'est Alpha Condé. À Côte d'Ivoire là. Oui. À Bogabé. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est qui à Bogabé? C'est Laurent Gbagbo ou bien? Voilà, Barago. Ok. C'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, vous attendez quoi pour enlever Alpha Condé? Non, j'attends pour l'instant rien. Vous attendez quoi? Demain, vous attendez qui? Pour l'enlever là-bas? Non. L'ordre de qui? À la Cellou. Cellou d'Alain? Oui. Donc, c'est toi qui donne c'est lui qui donne les ordres? Voilà, puisque c'est lui là, le président de la Guinée. L'Alpha là, c'est le gouverneur seulement. Il est la présidente de la Guinée et le dirigeant de la Guinée. La dirigeante de la Guinée, c'est le Dalai. Mais la gouvernement, c'est Alpha Condé. Donc ça veut dire, si j'ai bien entendu, oui. C'est le Dalai, c'est lui le président. Le chef de gouvernement, c'est Alpha Condé. Voilà, la gouvernement, c'est le Dalai. La chef de Mukuranga, c'est Alpha Condé. N'importe quoi. Ok. Donc maintenant, je parle au sujet de la maladie qui est en Chine en ce moment. Vous en pensez quoi? La maladie là. Oui. Moi, je penserais que si tu vois ici la maladie, il faut aller mettre toi dedans. Pour que tu prennes la maladie là. Pour amener ça où? Tu auras beaucoup de vitamines. Tu restes
permettre la longue vie. Maladie qui donne des vitamines. Voilà, tu vois, non, c'est là-bas seulement qu'on a vu ça. C'est la maladie de Chine. Voilà, la maladie de Chine, seulement qu'on a vu ça. Si tu partes là-bas, si tu vois là-bas, tu mets-toi dedans. Pouillou. Tu vas apprendre beaucoup de force. Beaucoup de rigueur. La maladie qui donne des rigueurs, je n'avais jamais entendu ça, monsieur Diallo Cravate. Monsieur Diallo Cravate, je vous remercie. À demain. Merci à vous. You go.